Les petits meurtres d'Agatha Christie, prise une. Bon, vous voyez derrière, hein, ça commence à tourner, hein, ça va commencer à s'agiter, on va attendre. Silence, action, tournée, moteur, action. Et ben nous, on va juste rencontrer les comédiens et l'équipe de tournage. Tu te mets dans la Dauphine et tu pars. Il est où Fabien? Juste avant l'interview, il s'est passé des choses, vous faisiez 1, 2, 3, 4, 5, vous faisiez des gestes, vous appuyez sur des boutons. C'était pourquoi en fait? C'est parce qu'en fait, on fait, c'est toujours compliqué avec les bagnoles parce que les bagnoles font du bruit. Donc on prend les sons les sons d'ambiance, c'est les sons des véhicules, mm-hmm. On les prend à part pour pouvoir les remettre. Et à l'inverse, des fois quand il y a trop de bruit, la voiture fait du bruit mais elle est dans le champ, on ne peut pas la couper, on leur fait des sons sonores des comédiens. C'est quand même un métier qu'on fait avec passion parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Juste pour garder la patience, il faut quand même la passion, non? À la patience, oui. La passion, j'aime pas le mot parce que passion, ça veut dire souffrir. Alors moi, je souffre pas dans mon boulot. Enfin, ça m'arrive de souffrir, mais c'est pas ça. Non, c'est un boulot. J'ai de la motivation pour ce boulot. Je sais que les monteurs, ils auront besoin de ça, que le mixeur, il aura besoin de ça. Mmh. Donc je dois me bagarrer pour avoir ça. Là, je suis motivé. Bah, écoutez, Philippe, merci. On va vous laisser travailler parce que je vois que ça court partout, ça passe dans tous les sens. Ouais, je suis dans le soin. La prochaine fois. Merci. Interview de Dominique Thomas, les petits meurtres d'Agatha Christie. Bim! Alors Dominique Thomas, vous êtes de Béthune. Oui. Comment ça s'est passé pour les petits meurtres? Comment cette aventure a commencé pour vous? C'est un casting. Parce qu'ils castent, ils cherchent des personnages secondaires. Alors, au début, le commissaire Tricard, c'était pas grand-chose. Hein. C'était deux jours, trois séquences, j'ouvre la porte. Laurence, il faudra me régler ce problème-là, et vite fait, hein, parce que la police compte sur vous. Pouf, je refermais la porte. Et puis, la chance, c'est que c'était un rôle récurrent qui s'est développé, qui a grossi. Et donc là, le commissaire Tricard a pris toute son ampleur au fur et à mesure de la série. Ce qui aurait peut-être pas été possible à Paris, parce que Paris, c'est une grande ville, et pour avoir certains castings, c'est pas facile. Tandis qu'à Lille, on est plus visible. Et là, je ne sais pas pourquoi, le commissaire Tricard, je le voulais. Donc j'y suis arrivé. C'était même marqué, je me rappelle, dans les Didascalies, le commissaire Tricard est en sueur, etc. Donc j'avais pris un petit pchit comme ça. Et avant la prise du casting, je m'étais mis partout comme ça. Et puis là, j'étais vraiment en sueur. Le conseil que vous donneriez à un jeune comédien, c'est la détermination, au final, et croire en son potentiel et être déterminé. Oui, je crois que là, je suis d'accord avec tous mes camarades qui sont sur le plateau. C'est la détermination, le désir, c'est-à-dire, oui, je veux ce rôle-là. Préparer les castings quand même, ne pas y aller les mains dans les poches, c'est pas vrai, ça, j'y crois pas du tout. Et puis, la persévérance. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors là, on est sur votre décor, parce que c'est vous qui choisissez les décors de la série. Oui, on en a à peu près une trentaine par film. Et donc, comme on en fait quatre, ben, on a à peu près 120, 130 décors à chercher chaque année. Mais ça, c'est le vrai rôle du directeur de production, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que ça. Non, alors le vrai rôle du directeur de production, c'est à partir d'un scénario. Je vais budgéter pour voir si le scénario rentre dans la case financière qu'on s'est fixée. Et à partir de ça, on va monter toute une équipe pour pouvoir mener le projet à bien. Et cette envie d'être directeur de production, vous l'aviez eue très jeune, parce que vous arrivez en BTS audiovisuel à Condé-sur-Escaut. Exactement. C'est-à-dire que j'avais deux choix. Soit le choix de partir en BTS comptable. C'est moins fun déjà. Voilà, c'est un peu moins fun. Et puis, il y a eu la création de ces nouveaux BTS audiovisuels. Je me suis dit, allez, on essaye, on verra bien. J'ai une chance extraordinaire, c'est qu'au moment où j'arrête mon BTS audiovisuel, il y a un énorme film qui vient en région qui s'appelle Germinal. Je postule, je rencontre les gens. Ils me disent, écoute, on va te prendre à l'essai pendant deux mois et je fais un an. Et sur le CV, ça fait bien, quoi. Exactement. Tu arrives directement au Real de Madrid, première année. Nickel. C'était un peu ça et ça m'a évidemment ouvert beaucoup de portes pour pouvoir continuer et puis faire la carrière que j'ai fait, quoi.